Les frères Gims et Dadju, artistes et musiciens de renommée internationale, ont été faits ambassadeurs de la musique congolaise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, ces célèbres musiciens ont reçu du chef de l'État les passeports diplomatiques de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on a une carte à jouer et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de la musique congolaise et du Congo à travers le monde, même si on a évolué en France. On sait que Kinshasa aujourd'hui c'est la capitale de la francophonie, c'est l'endroit où on parle le plus français, c'est Kinshasa. C'est paradoxal, mais et voilà, donc on est super content aujourd'hui. On a été entre autres décoré, on nous a remis le passeport diplomatique et je tenais à remercier le président pour ce geste. Donc voilà, on est très content d'être vu, considéré comme ambassadeur entre guillemets, et voilà, ça va être un gros projet. Par ailleurs, les deux stars ont annoncé aux garants de la nation leur projet culturel de construire dans un bref délai des studios d'enregistrement au standard international, projet dont ils ont reçu le soutien total du chef de l'État. L'idée, c'est d'ouvrir des studios d'enregistrement parce qu'un pays comme le Congo, une ville comme Kinshasa ou même Lubumbashi, toutes ces villes-là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de studios à la hauteur des studios européens. Ensuite, c'est de faire un festival annuel qui pourront ramener des artistes du monde entier. Avec les connexions qu'on a aujourd'hui avec Dadju, on est en mesure de ramener énormément de gens. Il faut que le Congo soit un lieu, il faut que ça devienne Dubaï. Ça veut dire que Dubaï, c'était le désert, il n'y avait rien du tout. Le Congo, c'est un pays qui a des siècles d'histoire, donc il faut en faire quelque chose. Maître Gims, un mot à Lingala. Nimna Lobanin. Nyoso Lobanin, José Panay. Ok, donc en direct, Namabele Oya Père. Kimbangu, ça veut dire que la terre de nos ancêtres, Ngamuko Mwarakin, Nabotama Awa, dédicace à Defa au père, son âme. Yemutamima Kinga, sur ses genoux, hein, dans l'avion, Air France. Nagolo Balingala, mais le col à moi, la poto, quoi. Voilà. Fils du chanteur congolais Juna Janana, du clan Zaiko, Maître Gims et Dadju sont arrivés à Kinshasa le week-end dernier pour notamment rendre hommage au chanteur Defao inhumé à Kinshasa le 22 janvier dernier.